We can start first with the example of Morocco. From the background, we can start by analyzing the period between 1957 up to 1993. And then we can see how everything went ahead, and up to the constitution of 2004, where women rights were discussed in details, and within the family code or family acts, there were strong debates between the conservative wing and the liberal parties, and especially when the Casablanca events, the events which happened in Casablanca about the fundamentalists, when they attacked, and it was to say that the family values should remain traditional, they should be protected and not be left to be influenced by the Western civilization. Alors là, je vais dire quelque chose. I'm sorry, you tell me that 5 minutes, but I need more time, because you take my time. Yeah. Correct, I think. Alors, je vais être très bref. Yeah, I will be very short. Alors, vous pouvez continuer. Merci. Alors, pour l'expérience marocaine, l'arbitrage royal, c'est au départ faire plaisir aussi bien aux fondamentalistes musulmans que les libéraux. Comment il a fait ? Il a dit dans un discours très célèbre en 2004 devant la Chambre des représentants qu'en quoi il ne peut pas interdire ce que Dieu a permis, mais il ne peut pas permettre ce que Dieu a interdit. Et que l'affaire de la femme, c'est son affaire en tant qu'Amel Moumini, et il va essayer de faire une lecture très moderne de l'islam afin de lui octroyer tous les droits qui sont prévus ailleurs. Alors, Now about this conflict between modern beliefs and traditional beliefs, there was what I can refer to as royal arbitration. How did the king go about it? He made a very important speech within the House of Representatives, where he said that he cannot forbid what God has authorized, and he cannot authorize what God has forbidden. Alors, je serai très bref au niveau des points où il y a une certaine modernité par rapport au passé, à savoir l'égalité de la responsabilité homme-femme, elle est inscrite dans le code de la famille de 2004. La femme peut se marier sans l'autorisation de ses parents, c'est-à-dire elle devient une personne à part entière. Elle n'est pas tutrice de ses enfants, le mari continue à être le tuteur. L'âge de mariage pour l'homme et femme est fixé à 18 ans. La polygamie, elle est strictement réglementée, mais elle n'est pas interdite. C'est-à-dire, on doit passer par une autorisation de la part du juge. La répudiation, elle a été refoulée au profit du divorce, c'est-à-dire que la femme peut réclamer son divorce. Il y a une répartition des biens, aussi bien entre l'homme et la femme après le divorce. Alors, dans l'euphorie de ces changements, on va dire que le droit musulman, il a été relégué. Malheureusement, non. Le mariage mixte continue toujours à être interdit. Là, celui qui est adopté ne peut pas hériter. Et ça aussi, on retrouve le droit musulman. Et vers la fin du code de la famille, on trouve que si la loi n'est pas claire, le juge a le droit toujours de faire appel au droit musulman, à savoir le rite malikite. There was in this arbitration what we can refer to as the modern reading of this Muslim code, and within the code or the Family Act of 2004, everything has been clarified there to say that a woman is free to get married. But the husband remains the custodian of children. The polygamy is not forbidden, but it's strictly regulated. And children who have been adopted cannot inherit
from the goods within the family. Le code algérien, il va à peu près dans le même sens, mais il reste un peu moins développé dans la mesure où on aurait pu attendre du code algérien plus d'avancée que le Maroc, dans la mesure où c'est un pays dès le début qui a opté pour le socialisme. Alors sur cette question des femmes qui se tuent, et là vraiment c'est humoristique, ils se sont tués jusqu'à 1984, parce qu'ils étaient perdus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire une inégalité entre les hommes et les femmes, alors que c'est un pays qui a opté pour le socialisme dès l'indépendance? Donc ils se sont tués, ils n'ont rien dit jusqu'à 1994. Et en 1984, c'était un immobilisme raté, ce que les femmes ont appelé le code de l'infamie, tellement il était pauvre, tellement il a inscrit la femme dans un droit archaïque et le patriarcat était très fort. In Algeria, the Family Act or Family Code is less developed, but one would have expected a lot from them because they were a socialism country as from the beginning, and it was even a bit funny. In 1984, they didn't say anything clearly to say whether the woman should be equal to men or not. In 1994, what they published was totally a failure because it was a poor sort of family court, and it didn't reflect what was really expected to them. La dernière expérience est l'expérience tunisienne. L'expérience tunisienne reste atypique dans le monde arabe et musulman. Elle reste le chef de file concernant les droits de la femme. La polygamie, elle est complètement interdite, c'est interdit. La femme peut se marier sans l'autorisation de ses parents, de sa famille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tutelle. La femme n'est pas considérée comme un mineur. Mais il y a la subsistance quand même du droit musulman sur quelques cas qui sont mineurs, mais qui sont importants. La succession est toujours inégale entre les hommes et les femmes. Et aussi, l'enfant qui est adopté n'a pas le droit d'hériter. Et le dernier point, c'est le mariage mixte. Il y a un silence. Et là, c'est là où je vais intervenir au niveau de ma dernière partie. Lorsqu'il y a un silence, le juge interprète. Mais malheureusement, l'interprétation se fait au profit du droit musulman. Now coming to the last country, which is Tunisia, it is a bit special when it comes to women's rights because they are there mentioned clearly within the constitution, but it is somehow strict about polygamy because polygamy is not allowed. And when it comes to the judge who's interpreting the law, he can still refer to Muslim law. And this is where I will now come to my very last part of my presentation. Alors, si on revient à une citation très importante d'un grand juriste, Bernard Bottiveau, qui disait « Il ne faut pas appréhender le droit dans sa fixité ». Il faut appréhender le droit dans son interprétation par le juge, dans la mesure, c'est le juge qui dit la loi. Alors, la loi, lorsqu'elle va être récupérée par le juge, dans les trois expériences, la jurisprudence a montré qu'elle a été toujours interprétée contrairement aux droits des femmes. Je peux prendre un cas. Pour ne pas aller au niveau des questions, je peux donner plusieurs situations jurisprudentielles, aussi bien en Algérie, en Tunisie. Alors au Maroc, en 2004, il y a un arrêt qui a fait un grand débat, à savoir l'arrêt Belkhidine. De quoi il s'agit? There is a prominent lawyer who declared that when it comes to judgment, a judge is the only one who can interpret the law. And when we go through jurisprudence or prudence, there was an interpretation which was seen, and it was always seen that every time when there is this interpretation, it always goes against women's rights. Alors, M. Belkhidine, c'est un franco-marocain qui habitait en France, qui a divorcé de sa femme, qui rentre au Maroc pour donner valeur juridique à son divorce. Mais la femme le surprend en disant que
la fille qu'elle porte, c'est sa fille. Il a fait un test ADN en France. La fille n'est pas... Il n'y a aucun lien de paternité entre M. Benkhedine et sa fille. Il rentre au Maroc et il montre au juge l'ADN. Le juge lui dit on ne prend pas en considération l'ADN dans la mesure où on est réglementé par le rite malikite. Et le rite malikite met en relief comme quoi l'enfant est pour le lit, c'est-à-dire dans la mesure où vous êtes resté avec cette femme-là. Donc cet enfant est à vous. Et il y a le lien de paternité. Alors que le texte juridique est clair sur la chose, que en 2004, le Maroc a adhéré, n'empêche aux conventions internationales ratifiées, mais aussi il a inscrit dans ce code de la famille le test d'ADN, il est pris en considération. Le juge l'a complètement rejeté. Just to give you an example of a case of Mr. Bellerin, a Moroccan was living in France with his wife, but he ended up divorcing. Then he went back to Morocco in order to officialize the divorce. Then the woman came and surprised him with a DNA test to say that, okay, this according to this test, this child I'm having, the daughter, is your daughter. And then the judge refused to accept the DNA test to say that no, the DNA test is not among the provisions of the constitution. So we are talking only the paternity link. But it was also remarked that, observed that in 2004, Morocco signed and ratified international conventions about this DNA test and the Family Act. Alors, pour ne pas fâcher le président, je vais conclure très vite. I don't want to make the chairperson very angry. I'm going to conclude very quickly. Alors, on voit très bien que malgré la normalisation au niveau des textes juridiques et en essayant de leur donner un aspect moderne, un aspect démocratique, un aspect de dignité humaine, un aspect d'ouverture, la présence directe ou indirecte, inscrite ou non inscrite, des références religieuses restent prédominantes et encore le juge a toujours le droit d'interpréter selon son référentiel culturel et merci. Regardless, in conclusion, regardless of the efforts which are being made to modernize this Family Act, Family Code, to make it more open, more humane, more opening, you can see that the judge has still got the authority to decide according to his own or her own interpretation. And we can also see that very often references are being made to the Muslim law. I thank you very much. Well, we thank Amaritis for that wonderful intervention on the role of women, law and religion in Maghreb. Briefly, to summarize, I think what she seems to be saying is that women in Maghreb have been preoccupied over the ages with their aspirations for freedom, identity and equity, and that generally their rights are protected depending on the nature of the regime. Rights are more likely to be protected in a democratic regime as against regimes that are dictatorial. And he also said that, that Muslims, the decisions are based on the lessons drawn from Islamic teachings. And he also emphasized the fact that there's a need, he emphasized some of the challenges involved in adjudication as it relates to the rights of women in Maghreb. One of such challenges is the need for the Sharia to be more properly defined and clarified in order to allow that women more access to their rights.